La densité moléculaire petit n étoile d'un corps est le rapport de son nombre de molécules avec un s, grand N, sur son volume grand V. N étoile, en mètres moins 3, est égal à un nombre qui est sans unité, évidemment, sur le volume en mètres cubes. Nous allons étudier la densité moléculaire de deux fluides, un liquide et un gaz. Bien, alors je vous laisse résoudre ce problème. La densité moléculaire, je vous rappelle que c'est le nombre de molécules par unité de volume. Donc l'unité est un nombre sans dimension physique 1 sur des mètres cubes, ça fait mètre moins 3. Vous avez toutes les données ici et maintenant, à vous de jouer. Alors, une dernière chose pour comparer de grandeur, évidemment, il faut en faire le rapport. Hein. Bien, commençons par l'eau. Que vaut la densité moléculaire, donc des molécules d'eau? Nous savons que le nombre de moles d'eau est relié au nombre de molécules grand N et au nombre d'Avogadro par la relation suivante. N en moles est égal au nombre de molécules divisé par Na en moles moins 1. Bien. Tout simplement, si par exemple vous avez 6,02 10 puissance 23 molécules, eh bien ça fait 6,02 10 puissance 23 divisé par 6,02 10 puissance 23 mol moins 1, ça vous fait bien une mole. S'il y a deux fois ce nombre-là, bah, ça fait 2 moles, etc. Autrement dit, eh bien grand N est égal au nombre de moles fois Na. Deuxième chose, deuxième formule qu'on a vue au lycée, eh bien, la masse molaire, c'est la masse sur le nombre de moles. Autrement dit, le nombre de moles est égal à la masse divisé par la masse molaire. 18 grammes par mole, ça veut dire que une mole de molécule d'eau pèse 18 grammes. Ou 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau pèse 18 grammes. La masse volumique de l'eau, je vous le rappelle, ben, c'est la masse d'eau sur le volume d'eau. Donc la masse petit m, c'est égal à la masse volumique de l'eau fois grand V. Et donc le nombre de moles, c'est rho fois V divisé par la masse molaire. Je réécris ceci dans la première expression. N étoile est égal à petit n, c'est-à-dire rho de l'eau fois le volume divisé par la masse molaire. C'est petit n, ceci. Fois Na sur le volume qui se simplifie. Autrement dit, la densité moléculaire des molécules d'eau est égale à rho de l'eau fois Na sur la masse molaire. On vérifie les unités. Comme tout bon élève de terminale, et donc tout élève de prépa, doit vérifier les unités de sa formule. Petit n, nous avons vu que c'est la densité moléculaire qui est en mètres moins 3. 1 sur des mètres cubes. Rho est en kilogramme par mètre cube. Kilogramme mètre moins 3. Na est en mol moins 1. Et la masse molaire doit être par conséquent exprimée non pas en grammes par mol, mais bien en kilogramme mol moins 1. Simplifions, on retrouve bien mètre moins 3 égale mètre moins 3. En faisant l'application numérique, ça nous donne N étoile environ 3 fois 10 puissance 28 molécules d'eau liquide par mètre cube. Par mètre cube d'eau. Voici pour le premier calcul. Passons maintenant à la densité moléculaire, non plus de l'eau, mais la densité moléculaire, eh bien, d'un gaz parfait, quelconque, hein, ça peut être du dioxygène, de l'hydrogène, etc. Donc pour le gaz parfait, la densité moléculaire, évidemment, a la même formule, grand N sur V. Nous pouvons remplacer grand N, comme tout à l'heure, hein, il n'y a pas de différence. Grand N par poids, eh bien, petit n, nombre de moles fois Na. Nombre de moles fois Na sur grand N. Le volume molaire à cette température de 0 degré Celsius, cette pression de 1 bar, vaut 22,4 litres. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il faut un volume de 22, dans un volume de 22,4 litres, à cette température et à cette pression,
j'ai exactement une mole de gaz parfait. Ça pourrait être une mole de dioxygène, de d'hydrogène, etc. Bien. Donc, le volume molaire, c'est tout simplement le volume divisé par le nombre de moles. Autrement dit, le nombre de moles est égal au volume sur le volume molaire. Ceci, c'est le volume sur le volume molaire fois Na sur grand V. Ce qui nous donne, après calcul, la densité moléculaire est égale environ à, avec un seul chiffre significatif, hein, 3 fois 10 puissance 25 molécules par mètre cube. Si on fait le rapport des deux entre la densité moléculaire pour l'eau sur la densité moléculaire pour un gaz, eh bien, on a environ un rapport 1000, ce qui signifie que pour l'eau, qui est un fluide, eh bien, la densité moléculaire est 1000 fois plus grande que pour un gaz.